C'est ainsi qu'après avoir sillonné la Sicile baroque, nous allons vers le centre et la villa romaine de Casale, qui fait partie de la commune de Piazza Armerina. Une ville très pittoresque, mais une fois de plus, impossible à parcourir en voiture. La Villa Casale est réputée pour ses mosaïques connues dans le monde entier. Elle est donc inscrite au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. On y accède en passant à côté d'un aqueduc. Cette villa romaine a été construite vers la fin du IIIe siècle. Elle compte une trentaine de pièces décorées de plus de 3500 mètres carrés de mosaïques. Elle a été occupée jusqu'en 1160. Après, elle a été ravagée par un incendie et disparaît sous un glissement de terrain. Elle a été redécouverte en 1812. Et elle est fouillée depuis 1929. Elle est l'exemple suprême de la villa romaine luxueuse qui illustre graphiquement la structure socio-économique de son époque. Selon le site de l'UNESCO, après être passé par une cour elliptique d'ordre ionique, nous pénétrons dans un péristyle rectangulaire d'ordre corinthien. Les mosaïques se trouvent sous forme de médaillons qui représentent des animaux, des ours, des chevaux, des bœufs et même des tigres. Il y a aussi les principaux animaux de vénerie, comme les cerfs et les chevreuils. Au milieu du péristyle, il y a un bassin sous forme d'impluvium. Suivent à présent une galerie de différentes mosaïques que l'on trouve dans différentes pièces de cette belle villa Casale. Nous sommes toujours ici dans le péristyle et dans les différentes pièces qui l'entourent. Nous passons ici, dans la salle de la petite chasse. Puis, sur cette mosaïque, nous voyons des amours qui pêchent. Certaines pièces ont des motifs beaucoup plus géométriques. L'ambulacre de la grande chasse constitue le point d'orgue de la villa de Casale. C'est un peu la galerie des glaces. Mais ici, tout est mosaïque. C'est une mosaïque où le relief ressort. Contrairement aux mosaïques byzantines, les mosaïques romaines représentent leur sujet en relief. C'est ainsi qu'on trouve des éléphants et toutes sortes d'animaux qui ont été chassés et qui ont été rapatriés même à partir de bateaux. Il y a même des rhinocéros et des lions. Non loin de là, il y a la salle de la danse, avec la chambre des jeunes filles en bikini. Bikini, pas tout à fait, ce sont des maillots qui servaient de vêtements de sport. Et je dois dire que la représentation de la gent féminine n'a pas pris une ride. Nous ne sommes jamais très loin de l'ambulacre de la grande chasse. En effet, il fait 60 mètres de long et représente des scènes très diverses. La chasse, bien sûr, mais la chasse d'animaux sauvages par d'autres animaux sauvages. Un peu plus loin, une autre pièce représente des enfants vendangeurs. Ils sont sur des chariots tirés par des perdrix, des ibis, enfin toutes sortes d'oiseaux.
et de repasser par la salle des amours pêcheurs. Semble-t-il, dans certaines salles, Eros et Pan faisaient bon ménage. Polyphème, le cyclope, est de la partie lui aussi. Et tout cela conduit, comme de bien entendu, à une scène érotique.